Bonjour à tous et bonjour à Bonjour à toutes, toutes. c'est Yo-Yo, c'est Gag, c'est VGM et c'est RL. Ouais! Et. Ouais, non. D'accord. Ok, et aujourd'hui on se retrouve pour Medal of Honor. Le tout premier du nom. The Gang on the Game. Voilà. Le tout premier nom, du nom de la mythique saga des Trading Cards qui tient tête de manière très très forte à Call of Duty. Ouais. D'ailleurs, c'est dit dans la cinématique d'intro qu'il faut renverser l'appel du devoir. Mm. Attention. Carrément? Ouais. Déjà à l'époque. Hein. Ah bah. Sorti en 99. Voilà, ouais, sorti en 99. 99. Saison et plus. C'est tout donc sorti sur la première console de Sony. Développé par. DreamWorks en fait. DreamWorks Interactive. Voilà. Alors DreamWorks qui est le studio de Spielberg. Pas le jeu, mais le studio cinéma de Spielberg. Il faut savoir qu'un an avant, il y avait Il faut sauver le soldat Ryan. Donc c'est directement dans cette perspective-là de la guerre, quoi, en fait. Mm-hmm. C'est quoi ça? C'est des potions médicinales. En fait, il y a, pour se recharger de la vie, il y a trois sortes de potions. Il y a les potions médicinales qui rechargent un tout petit peu. Il y a les... une sorte de kit de soins moyens, je sais plus comment ça s'appelle. Trous de... Ouais, non, je sais plus. Et ça redonne un petit peu le quart. Puis après, il y a les trous de chirurgie qui ressortent presque à la moitié. Donc ça, c'est déjà plus intéressant. Voilà. Alors, l'histoire. Alors, on voit qu'on se bat face à des nazis. Oui, parce que... Pourquoi c'est des méchants, c'est des nazis direct, hein. Ouais, c'est bah, attends. Moi qui dis ça dans bon alors l'histoire tout simplement, on est un soldat qui s'appelle Patterson. Parce que en fait on ne joue qu'un seul personnage dans celui-là, contrairement au jeu de nos jeux. Et c'est un espèce de James Bond que l'OSS envoie un peu partout. Donc on va faire des missions du genre empêcher l'attaque nucléaire, enfin construction d'une arme nucléaire. On l'a pas dit mais vous l'aurez deviné, c'est un respect. Oui bon ça c'est. Ah bon non. Déconner, je promets Yann, c'est vraiment. Oh, je peux me faire niquer par une grenade. Toi, tu t'en rends pas compte, j'ai vu, mais. Ah ouais, ouais, ouais. Là. Bah, attends, laisse-moi parler de l'histoire. C'est donc, on va. Bah, là, le but de la mission que je fais là, c'est de s'introduire dans le fort. Fort imprenable. Qui n'est pas si imprenable que ça. Ouais, bah ouais, t'es un. Voilà. Ils sont le bon. Alors, vous pouvez, si vous écoutez un petit peu, vous pouvez remarquer que la bande-son est très sympa. Bah, vas-y, tais-toi et on coupe le micro deux secondes. Ah, c'est la musique va et revient, mais là, globalement, là, l'OST est vachement sympa. Vraiment très travaillé par une équipe symphonique, je pense. D'ailleurs. Mais le problème de cette bande-son, c'est qu'elle se répète, again and again. Au fil du niveau, du coup, globalement, au début, la première fois qu'on l'entend, on est là, ouais, c'est trop bien et tout. Et. On a quand même dit du bien tout le temps. Ouais, mais ouais. Si, mais au bout d'un moment, elle se répète tellement que. C'est chiant, quoi. C'est bien chiant, en fait. T'en lasses un peu. Alors, par contre, quand tu vises, tu ne peux pas bouger. Ouais, en fait. Je tiens à préciser que. Je tiens à préciser que les commandes à la base sont chiantes et galères. Donc, je conseille très fortement d'aller dans le menu commandes et de changer les commandes du jeu. Parce qu'en fait, on peut choisir plusieurs styles de commandes, du coup, là, moi, j'ai pris une qui ressemble très fortement au FPS d'aujourd'hui. Ouais, au FPS d'aujourd'hui, du coup, je tire avec R2. Ouais, sinon, tu tirais comment? Bah, tu tirais avec croix, en fait, avant. Ah ouais, d'accord. Ouais, comme à l'époque, quoi. Et donc, là, je vise en appuyant sur L2, et du coup, je peux viser mon... Enfin, je peux changer de... Du coup, je bouge comme ça. Au début, c'est pas très évident, mais en fait, on prend très vite le truc et on... Parce que, ouais, on n'a pas de viseur là, on l'a que quand on appuie sur la touche. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Mais c'est pas un peu chiant quand même de s'arrêter pour viser Non, parce que du coup on me permet d'être plus précis. J'ai parlé trop fort sans moi. Ouais, on peut prendre des tourelles, c'est sympa. C'est très commun dans les jeux d'aujourd'hui, mais à l'époque je pense que ça l'était pas. Puis niveau animation, moi, je trouve ça vraiment pas mal. Ouais, les animations niveau sont. Animation et texture, bon. Franchement, il y a. Pour un jeu de 99, franchement. Ouais. Ouais, franchement, le jeu est beau. Ah, tu vois, ça tourne bien. Les Medal of Honor d'aujourd'hui, ils sont pas. Ouais, ils sont pas aussi beaux. Oh là, bug de collision. Bah, attendez, je vais juste chercher un autre niveau parce que là, ça peut être très intéressant. Ils sont pas au même niveau. Attends, je vais chercher un autre niveau histoire de montrer les trucs intéressants parce que là, ça se répète. Il est con ou. Bon, attends, on se retrouve dans un autre niveau. À de suite. Nous sommes de retour maintenant. Et maintenant, on se retrouve dans un niveau qui change du tout au tout. Du tout au tout, peut-être pas, mais. Bah, on est dans la neige et tout à l'heure, on était dans la jungle. Ok, on est dans la neige, ça change du tout au tout à ce niveau-là. Moi, j'aurais cru que c'était du sable. Du coup, c'est du sable. Du sable blanc, oui. Non, ça existe. Bah, là, franchement, la nuit, le sable est blanc. Je sais pas. Vous avez jamais été à la plage? Si. En fait, moi, j'étais plus content à la plage la nuit avant ça. Ok, donc. Et. On verra ça au PS.
C'est ça. Alors, pour, on parlait de l'animation, du coup, là, je pourrais vite fait le montrer, c'est que, en fonction de l'impact des... Il reste que la tête. En fonction de là où on tire sur les ennemis, attention lui là, parce que là il va me tirer dessus si je le chope pas. Bah, l'impact sur les ennemis, regarde, je vais tirer sur le pied là, et bah l'ennemi va avoir mal au pied, après je vais tirer sur le bras, il va avoir mal au bras et tout. Enfin, non, là t'as tiré la tête. Si je tire entre les jambes, il aura très fortement mal et il fera. Enfin, voilà quoi. Enfin, ouais, d'accord, ouais. Coup, c'est pas si mal et il y a. J'ai pas vu l'effet ragdoll hein, perso. T'as pas vu quoi? L'effet ragdoll, c'est le démembrement des personnages. Ah non. Non, regardez, non, attends, attention, là j'ai un bazooka, c'est très bien. Joli! Oui, j'ai réussi à le louper, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai. Ouais, c'est déjà. Je vais vous montrer la diversité des armes là, juste histoire de. Voilà, enfin. Je vais avoir combien d'armes? Il y en a pas mal, je sais pas exactement combien il y en a. Oh lui! Mais, genre, est-ce que tu peux porter toutes les armes que tu veux à la fois? Bah, en fait, ça dépend des. Enfin. Ce que j'ai pas dit pour l'instant, c'est que le jeu est divisé en 7 missions. C'est une mission qui comporte toutes 3 ou 4 niveaux, c'est au choix. En tout, il y a 24 ou 25 niveaux, je sais plus. Et en fait, au cours de ces missions, vous aurez un package d'armes à la base. Et. Ah merde, j'ai plus de balles. Bravo. Bon, c'est des grenades, mais c'est vraiment pas précis. Du coup, j'y suis jamais. Et. Et bah, en fait, on a un package d'armes et puis. Bon, on pourra pas en avoir plus que ça au fur et à mesure du niveau, quoi. Enfin, si, peut-être on en ramasse quelques-unes, mais je sais pas. Mais voilà, donc surtout le package d'armes qu'on a au début qu'on va garder tout le long de la mission. Il y a donc tu sens que t'as plein d'armes, c'est pas genre dans les FPS, c'est un FPS ou t'as genre des armes. Non, pas ça du tout. Et d'ailleurs, le truc dans ce niveau, enfin je pourrais pas le montrer là, je pense pas, mais on ramasse tout le temps des munitions. Mais genre, j'ai fini des 10 niveaux avec 500 balles pour la mitraillette quoi. En tirant sur tout le monde, je veux dire, sans chercher à Économiser, ouais, je finissais niveau avec 500 munitions, quoi. Je dirais trop munitions, tu t'es jamais en galère de munitions, sauf à part des fois en début de mission, genre là j'en ai que 28. Attention, j'ai que 28 balles. Donc là tu vois, là c'est le premier level de cette mission et j'ai déjà 134 balles pour ma mission. Donc ça rend le jeu difficile. Ouais, plus facile. Ça vaut. Bah en fait, pas spécialement parce que. Ce qui va surtout vous tuer, c'est les grenades et les bazookas. Putain, je les prends en fait là. Et les tourelles. Ah bah j'ai un regret, c'est parfait. Parce qu'en fait, une grenade va vous tuer. Mmh. Et une roquette va vous tuer en un coup aussi. Putain, dommage. Bon bah fail. C'est dommage. Il y a des modes de difficulté ou pas? Non, attends, c'est qu'un seul mode de difficulté. En fait, donc je disais, une balle de roquette va vous tuer. Une balle de roquette va vous buter. Donc pas de chargement entre je sais pas combien, c'est cool. Les checkpoints? On a un bug là ou pas? Oui, là, on a un bug, c'est super. Alors, on va pouvoir montrer les bugs. Déjà, juste un point, des checkpoints ou pas checkpoints? Les checkpoints, aucun checkpoint. C'est-à-dire que vous mourrez à 2 cm de la fin du niveau, vous allez tout recommencer le niveau. Et ça, c'est. Ah ouais! Ça rajoute du challenge et c'est vachement sympa. Ouais, c'est bien, mais en même temps, ça peut être un peu chiant. Ouais, ça peut être un peu chiant, mais. Bon, ça fait partie du jeu quoi. Ils sont cons. Alors là, le bug, vous l'entendez peut-être pas, mais il n'y a plus de bande son. Ouais, voilà, il n'y a plus de. Alors. Et là, c'est un bug très très chiant parce que. Là, déjà, on remarque que le personnage, quand il marche, il ne fait pas de bruit. Ouais voilà. Et merci. Faut que j'arrive à survivre jusqu'à là-bas. Alors. Oh, c'est bon, tu vas le faire. Mais c'est un bug récurrent parce qu'on l'a vu pas mal de fois. Là. C'est un bug récurrent. Putain. Cours. C'est vraiment ce de rail. Ouais. Tu peux pas courir. Et donc en fait. Non bah ça c'est. Alors oui. Voilà, regarde. Alors en fait, quand il y a ce bug là, c'est que le niveau n'est pas chargé complètement. Donc, vous pouvez voir, là le niveau n'est plus chargé. Donc en fait, dès que vous n'avez plus de balles, de bande son, c'est fini, vous pouvez faire quitter et recommencer parce que voilà, vous tombez dans des putains de bugs là. Oui, parce qu'à l'époque, les patchs n'existaient pas. Voilà. Donc là, bon, j'en profite pour quitter, je vais changer de mission, je vais pouvoir parler du menu, tout ça. Non, pas de coupure, ça sert. Non, pas de coupure. Le chargement pas long, très long. Donc il y a d'autres bugs, j'ai vu des bugs où des fois les ennemis traversaient les murs pour mieux buter par derrière. Des fois, ouais. Les balles qui traversent les murs à 5 km pour te buter, enfin, ce genre de trucs qui sont très très chiants. Ou des bugs beaucoup de bugs de collision qui peuvent buter. Enfin bref, c'est ultra buggé, c'est un peu chiant, mais on s'y fait. Mais sinon, les ennemis, ce qui peut. Enfin. Attends, d'abord, laisse-moi parler du menu parce que moi j'y suis, sinon on va passer trop bon. Je suis désolé. Hein. Alors. N'oublie pas ta question. Alors, le menu, il est fait de telle forme comme si c'était un état-major, ça c'est vachement très sympa, j'ai bien apprécié. Alors, il est composé par options. Dans options, en fait, les niveaux. Si vous avez 3 étoiles par level, vous avez gagné une médaille pour votre mission. Et là, vous avez gagné des codes secrets. Et c'est vachement sympa parce que du coup, je peux activer des trucs pour le même petit joueur ou des. Je peux activer un truc. Un code secret pour le pare-balles, tout ça. D'ailleurs, le même petit joueur. Ouais, le même petit joueur, j'en parlais là. D'accord. T'inquiète pas.
Alors, bon, la semaine d'options, c'est là où on peut aussi changer les commandes, comme j'ai parlé tout à l'heure. Là, c'est la salle de briefing qui va nous réexpliquer ce qu'on fait. Alors, le multijoueur qui se compose de telle manière que il n'y a qu'un seul, une seule map, où c'est deux joueurs qui s'affrontent. Donc, c'est pas très, très intéressant du tout. Une seule map, c'est La map d'un... Ouais, et puis en plus, c'est un des levels du jeu. Par contre, ce qui est sympa dans ce multijoueur, c'est qu'on peut jouer genre Churchill ou tout ça, donc c'est vachement sympa. Alors là, on peut rejouer exactement toutes les missions. Ouais, pour essayer d'avoir un meilleur score. Ouais, voilà. Par contre, là, les 16 étoiles dont je parlais tout à l'heure, bah là, j'ai plus ou moins géré encore, ça va. Donc là, bon, cette mission est découpée en level, tout ça. Est-ce que le jeu est long? Je sais pas, en prenant mon temps et en mourant souvent à la fin des levels, donc tu vas tout recommencer, j'ai dû mettre, je sais pas, 8-9 heures, pas plus. Donc c'est pas long. Ouais, mais ça bah, c'est... Surtout pour un jeu de 1099, pas mis c'était long, les jeux pas... Ça dépend, ouais, ouais. Ça, c'est relatif. Ouais, franchement, quand même. Là, on peut revoir, genre, les enfin, genre, par exemple, historique, info, enfin... C'est, à la fin des missions, bah, ils nous montrent, enfin, voilà, tu peux avoir des infos sur le jeu, ou des infos sur la guerre. D'accord. Genre, tu vois, ça enrichit l'univers de la guerre, tout, c'est vachement sympa. Avec des images d'archives et tout ça, du coup, ça. Ouais, ça renforce l'immersion. Voilà. Ils étaient dans leur trip, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, ils ont aimé faire le jeu. Voilà, ça, je pense. Ils sont plongés dedans. Alors, là, je vais chercher un autre niveau, du coup, pour. Alors, c'était quoi ta question, toi, t'es là? Oui, alors, les ennemis, ils sont intelligents ou... enfin... Bah, en fait, ça dépend. Des fois, vous allez avoir... Enfin, dès que vous allez tirer sur les ennemis, ils vont venir vers vous, normal, mais... oui, je sais plus quel je voulais montrer. Ouais, donc, ils vont venir vers nous. Ils vont venir vers nous, et... voilà. Et puis, par contre, sinon, des fois, vous allez tirer sur des ennemis, et... Et après, les ennemis... Non, passe pas. Justement. Et... À côté, tu vas avoir des ennemis 5 mètres plus loin qui t'auront pas entendu les tirer dessus, tu vois. Du coup, parce que justement, vu que la profondeur de champ n'est pas. Tu peux la jouer à la MGS et tout. Non. Alors là, juste parler de ça parce que c'est le. Quand tu commences une mission, ils t'introduisent par des briefings, tout ça, ils t'expliquent la mission que tu vas faire. Après, t'as Manon, la résistante française, dont le frère résistant est mort, qui t'aide dans ta mission en te donnant des informations. C'est pas cliché du tout, hein. D'ailleurs, c'est pas cliché, genre, les nazis, c'est des gros méchants, le type qui dirige le fort, bah, c'est un type qui bat sa femme, tout ça, enfin, les gros clichés, les gros porcs allemands, enfin... Et ils ont un accent très prononcé. Bah, c'est donc, en fait, le scénario, on s'en tape. Bon, bah, non, il y a des trucs intéressants, des trucs qui t'accrochent, ou si tu joues... Ouais, non, tu fais des missions, quoi. Enfin, t'as cette mission, chaque mission a son histoire, et du coup, c'est sympa. Alors là, je voulais montrer ça parce que... Parce que c'est un truc sympa, que des fois on se la joue à MGS, comme tu dis tout à l'heure. Ouais. Genre, ils vont demander mes papiers, et du coup je vais vous montrer mes papiers. Bonjour. Écoute. Ces papiers d'identité ne sont pas valables. La voix est énorme. Du coup, vous voulez chercher des papiers d'identité mieux valables. Ils sont pas valables. Du coup, là, je me suis laissé une mission d'infiltration, en gros. Et donc, du coup, voilà, c'est juste pour dire qu'il y a de la diversité dans les missions, en général. Il y a une mission très sympa que j'ai beaucoup appréciée, c'est où il y a un fort où les œuvres d'art sont stockées, parce que les nazis pillaient et tout. Ah, t'as pas montré le papier là. Non, pas montré le papier, j'ai pas envie. Et par exemple, on va devoir sauver des œuvres d'art, tout ça. Enfin, c'est des genres de trucs qui sont pas souvent exploités dans les jeux de guerre. Ouais. Au moins, ils utilisent beaucoup de trucs de détails. Oula, je vais changer d'art si je vais faire plaisir. Ouais. Et du coup, maintenant, j'ai récupéré les papiers en butant le type. Montre tes papiers. Papiers sont en règle. Voilà. Non, je peux passer. Sinon, j'ai remarqué juste dans la scène où t'étais avant, la profondeur de champ est vraiment pas énorme. Non, mais de manière générale, la profondeur de champ n'est pas énorme du tout. Quand tu vois que 3 ans avant, c'est un jeu qui a rien à voir, mais Tomb Raider, la profondeur de champ était quand même de ce que j'ai vu, 2-3 fois plus grande. Je suis totalement d'accord. 3 ans avant, donc il n'y a pas plus de détails. Quoi. Je suis d'accord, mais je suis d'accord. En même temps, c'est compensé avec la musique et les ennemis. Voilà. Ouais, bon, en fait, le jeu est sympa, on le fera comme ça. T'as une salle qui fait 10 mètres de long, tu vois pas le bout. Le jeu est vachement sympa, en fait, on lui prend plaisir à le faire, mais s'il est assez vieux, il est buggé à mort, mais franchement, c'est... Voilà, enfin, je l'ai fait sans m'emmerder, et... C'est pas génial non plus. Non, non, bah, franchement, bah, j'ai... Ça vaut le coup, mais c'est sans plus, quoi. Non, mais si, c'est sympa, c'est un bon Medal of Honor, quoi, je veux dire... Bon, du coup, ça va être temps de conclure, parce qu'on a dû prendre bien notre temps, là. Oh non, ça va. Oh, ça va, on a 15 minutes, ça va. Ouais, bah... À qui tu conseilles? Bah, ceux qui aiment bien les oldies en fait. Et qui aiment bien les bons jeux
Ouais. Bah non, mais enfin, surtout les, ceux qui aiment bien les vieux jeux qui seront. Qui vont. T'as atteint la fin de niveau. Ouais. Et qui vont. Il y a des niveaux très courts et des niveaux plus longs. Ouais. Bah, ceux qui vont aimer refaire des vieux jeux, redécouvrir des jeux cultes comme le premier Medal of Honor. Il est sérieux, lui. Une bastos dans la tête, il est pas mort. Ça a plus une valeur de. Ouais, c'est plus. Voilà, c'est ça. Et vraiment, ouais, non. Puis c'est. On prend plaisir, mais bon, ceux qui vont s'éclater à la Call of Duty avec sa pète de partout, là c'est pas le cas, c'est vraiment très soft. Hein, c'est en... Y a beaucoup d'ennemis, mais on les tue à part. Bah, en même temps, tu vas me dire des explosions de partout sur la PS1 moyen, ouais, sinon voilà, elle allait ramer à mort. Du coup, là j'ai deux étoiles. Bon, ça va, t'es mieux. T'as fait mieux que ce que t'avais fait. Et du coup, bon. Bah, ouais. Note, moi je sais pas, moi je dirais. De nos jours, peut-être 15, il en valait sûrement plus à l'époque. Ouais, bah, mais maintenant, je sais pas, peut-être 14-15 que ça vieillit, mais moi franchement, j'ai bien apprécié refaire tout ça. Donc. Surtout que l'univers. 14 à cause des bugs quand même. Ouais, les bugs, ouais. C'est très chiant. Et surtout ouais, le gros bug récurrent qui fait que le niveau, ouais. Je sais pas, on dit. En fait, si on meurt. 4-5 fois alors. Si on meurt une fois sur deux, le niveau, il faudra le recharger. C'est ouais, possible. Ça, c'est... Et les temps de chargement sont. Non, ça va, ils non, sont. Ça, va, ça, ouais, encore enfin, ça. Ils sont au début de level, mais après, quand on va mourir, il n'y aura pas de chargement pour revivre. Du coup, ça, c'est vachement sympa. Ah oui, d'autres bugs avec ça, c'est que des fois, les ennemis vont demander vos papiers à 15 km de vous et vous ne l'aurez pas su. Du coup, ils vont sonner l'alarme parce que vous ne leur avez pas montré leurs papiers. Le papier, du coup, vous allez perdre. Et puis. Voilà. D'accord. Bon, écoute, voilà. Gang, merci de nous avoir présenté ce jeu qui s'appelle Medal of Honor, qui est donc sorti en 1999 sur PS1. À conseiller à ceux qui aiment les oldies, hein, on l'a dit. Et voilà, nous on vous dit à plus tard. Hein. Regardez nos autres vidéos, recherchez-nous sur Facebook, partout. On est partout, les gens. Et surtout, on ne fait pas de pub. On ne fait pas de pub. On ne fait pas de pub. Non, allez, salut. Mais on est les meilleurs quand même. Salut. Je suis le meilleur. Non, pas trop.